Bonjour à tous. Je souhaite dans ma maison un chat passant parmi les livres, des amis en toute saison sans lesquels je ne peux pas vivre. C'était un petit poème de Guillaume Apollinaire. Alors les amis, en ce moment, on ne les voit plus beaucoup. Donc déjà, bonjour à tous, amis de la Carmagnole et puis tous les autres qui regardent cette chaîne. Donc voilà, je suis coopératrice à la Carmagnole depuis pas très longtemps. J'ai eu la chance d'y faire deux spectacles. Matière à rire, un spectacle de sketch et puis Indignez-vous sur un répertoire poétique engagé. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous dire deux textes. Un poème de Roberto Roiros et un sketch de Raymond Devos. En ce moment, plus que jamais, la poésie nous relie et l'humour fait du bien. Un poème de Roberto Roiros. Aujourd'hui, je n'ai rien fait, mais beaucoup de choses se sont faites en moi. Des oiseaux qui n'existent pas ont trouvé leur nid. Des ombres qui peut-être existent ont rencontré leur corps. Des paroles qui existent ont recouvré leur silence. Ne rien faire sauve parfois l'équilibre du monde en obtenant que quelque chose aussi pèse sur le plateau vide de la balance. Ne rien faire sauve parfois l'équilibre du monde en obtenant que quelque chose aussi pèse sur le plateau vide de la balance. Hoy no he hecho nada, pero muchas cosas se hicieron en mí. Pájaros que no existen hallaron sus nidos. Sombras que tal vez existan encontraron sus cuerpos. Palabras que existen, recobraron su silencio. No hacer nada salva a veces el equilibrio del mundo al lograr que también algo pese en el platillo vacío de la balanza. No hacer nada salva a veces el equilibrio del mundo al lograr que también algo pese en el platillo vacío de la balanza. Un sketch de Raymond Devos qui résonne étrangement dans cette période de confinement. Ah, la circulation, ça ne s'arrange pas. J'étais dans ma voiture, j'arrive sur une place, je prends le sens giratoire, emporté par mon élan, je fais un tour pour rien, je me dis, ressaisissons-nous, je vais prendre la première à droite. Je vais pour prendre la première à droite, sans s'interdit. Bon, je me dis, c'était à prévoir. Je vais prendre la deuxième. Je vais pour prendre la deuxième, sans s'interdit. Bon, je me dis, fallait s'y attendre. Je vais prendre la troisième. Je vais pour prendre la troisième, sans s'interdit. Bon, je me dis, quand même, ils exagèrent. Je vais prendre la quatrième. Je vais pour prendre la quatrième, sans s'interdit. Je fais un tour pour vérifier. 4 rues, 4 sans s'interdit. J'appelle l'agent, je dis, monsieur l'agent, il y a 4 rues, elles sont toutes les 4 en sens interdit. Il me dit, je sais. C'est une erreur. Je dis, pour sortir. Elle me dit, vous ne pouvez pas. Il me dit, tournez avec les autres. Je dis, ils tournent depuis longtemps. Elle me dit, Anna, ça fait un mois. Il me dit, mais ils disent rien. Il me dit, qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? Ils sont nourris. Ils ont l'essence. Ils sont contents. Il n'y en a pas qui tentent de s'évader. Si. Mais ils sont tout de suite repris par la police qui fait sa ronde, mais dans l'autre sens. Ah ben, je dis, ça peut durer longtemps. Il me dit, oui. Jusqu'à ce qu'on supprime l'essence. En plus, je dis, si on supprime l'essence, il faudra remettre les bons. Il me dit, il n'y a plus de bon sens. Ils sont uniques ou interdits. Il me dit, donnez-moi 900 francs. Je dis, pourquoi? Parce qu'il est défendu de stationner. Plus 300 francs. Je dis, pourquoi? Il me dit, comme pour taxe de séjour. Ah, ben je dis, ça commence bien. Ben, il me dit, tâchez que ça continue, sans ça, je vous aurai au tournant. Alors, j'ai tourné. À un moment, j'étais à côté d'un laitier. Je lui dis, laitier, t'as pas peur que ton lait tourne? Il me dit, t'en fais pas, je fais mon beurre. Je dis, il a le moral, celui-là. Je dis, c'est quoi, là, la voiture noire qui ralentit tout? Il me dit, ça, c'est le corbillard. Et la voiture blanche, là, qui vient de nous doubler, c'est l'ambulance. Priorité. Et je dis, il y a quelqu'un dedans? Il me dit, il y avait quelqu'un. Ben, je dis, où il est? Ben, il me dit, dans le corbillard. Je me suis arrêtée, j'appelle l'agent, je dis, monsieur l'agent, je me sens pas bien, j'ai un malaise. Bah, elle me dit, si vous êtes malade, montez dans l'ambulance.